Bon là j'étais un peu, enfin vers 7 watts, un peu plus de 7 watts, et j'ai vraiment un gyroscope qui tourne très très vite. Donc dans l'état actuel des choses, bon je pense que je pourrais monter plus haut, mais après ça devient risqué quoi. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui se décroche et que ça se passe mal. Mais je pense que le gyroscope est à entre 10-15 000 tours là à peu près à vue de nez. Il tourne vraiment très très vite. Donc avec une puissance consommée pour amener tout ça à cette vitesse qui est relativement faible. Si on part de 7 watts, si j'enlève les 0,47 watts de résiduel, donc ça nous fait moins de 7 watts quoi. Et donc voilà. La machine ne vibre pas beaucoup dans l'ensemble. J'ai réussi à équilibrer tout ça pas mal. Essayer de. J'ai centrer mes axes, la lubrification aide aussi. Donc ça vibre pas beaucoup d'une manière générale. Pourtant c'est une machine qui est pas très élaborée. Hein. C'est de la tige filetée. Et c'est assez centré. Donc ça veut dire que si on fait un système qui est plus industriel, on n'aura pas trop de problèmes de vibration. Voilà.